Garde. Fort possible qu'on trouve un dinosaure même, un vrai. Donc voilà. Tac, tac. Là, il y en a d'autres. Donc, il y a des diplodocus pesant 30 tonnes. C'est des traces qui... Alors, donc ici, là, on voit bien, datent de 150 millions d'années. Non. Frère. Ouais. Donc voilà, hein, quand même. C'était des sacrés bestiaux. Hein. Voilà, il y a 150 millions d'années. On peut suivre le diplodocus à la trace. Et très certainement, on va le trouver. Certainement un plus petit. Mais qui chaussait quand même faisait un bon 48. Hein. Ça c'est patte droite, patte gauche, patte droite, non, côté à gauche, droite, etc. etc.
Mets pas le pied dedans. Voilà. Ouais. Oh, ouais. Bon mec. Ouais. Donc c'est quand les dinosaures y marchaient, c'était un sol mou, mais avec leur poids, ça compressait la couche, ça faisait, et ça la transformait en roche. Ouais, ça compresse. Et donc après, voilà, ouais, c'est ça. Et après, donc, ces empreintes sont alors fossilisées. Ils se conservent comme ça pendant un million d'années jusqu'à ce que l'érosion les remette à jour. Ah oui, c'est énorme. Ouais, et l'herbe en profite. Ouais, c'est dommage parce que ça... Je ne sais pas pourquoi elle s'est séparée. Donc là, c'était quand même... Ils avaient déjà inventé les chaussures, je pense. Donc là, il partit vers la forêt. Ben voilà, nous avons marché dans les pas de dinosaures. Voilà le site. Ici, il y a la Stone Martin. Yeah.